Et salut tout le monde, Soximos, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de build. Aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre à faire une salle de bain ultra réaliste dans Minecraft. Alors comme d'habitude, pensez à lâcher un max de likes, une vue est égale à un like, c'est super important pour le développement de la chaîne. Les amis, ça me ferait super plaisir, on peut tenter les 1000 pouces bleus aujourd'hui. Voilà, je sais que vous pouvez le faire, il y a plein de vidéos en ce moment à moi qui dépasse les 1000 pouces bleus. Ça me fait vraiment plaisir quand je vois les 1000 dépasser, je me dis que la vidéo, bah voilà, elle vous a bien plu. Donc n'hésitez pas, ça soutient énormément la chaîne, etc, etc. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on va build une salle de bain. Donc voilà, enfin une salle de bain. On va build surtout une baignoire, c'est ce qui nous intéresse, parce qu'on a déjà fait une douche et on a déjà fait des toilettes, et le lavabo, je saurais pas trop comment faire, faudrait que je l'invente. Mais c'est un peu plus compliqué de le faire, mais vous inquiétez pas, je vais bientôt faire un tuto. Donc là ça va faire aujourd'hui on va faire une baignoire, et vous allez voir que j'ai grave géré. Donc pour ça on aura besoin d'escaliers en quartz, de blocs de quartz, de blocs de barrière. Je vais vous montrer comment les avoir. On aura besoin de boutons, de crochets, de bannières. Enfin, de bannières. Moi, j'ai pris des raids bannières, des bannières rouges, d'une trappe en fer et de l'eau. Alors, déjà, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes sur Minecraft PE et tout, et que vous n'avez pas les barrières. En tout cas, si vous êtes sur une version de Minecraft et que vous n'avez pas les barrières, c'est pas grave, vous prenez des blocs de verre. Sinon, pour ceux qui ont les barrières, alors vous faites slash give Oximos, moi c'est mon pseudo, donc vous mettez votre pseudo, vous mettez barrière comme ça, pas barrière mais barrière comme ça, voilà. Et vous avez une barrière, c'était juste comme ça, voilà, pour vous dire. Donc je tiens aussi à dire que je l'ai inventé, ce tuto, etc, etc. Et que s'il n'y a pas eu de tuto pendant longtemps sur la chaîne, les amis, c'est que j'ai plus trop d'idées. Donc voilà, là je me suis dit pourquoi pas faire ça, mais j'avais plus d'idées. Donc n'hésitez pas à m'en proposer. Donc déjà, il va falloir se mettre dans un coin, c'est très important. Vous allez prendre vos blocs de quartz, vous allez poser 1, 2, 3 blocs de quartz, ok. Une fois qu'on a posé nos 3 blocs de quartz, ici on va mettre 1, 2, 3... 4, 5 blocs escaliers en quartz à l'envers. Vous collez à la partie haute du bloc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on casse les 3 blocs qu'on avait posés au départ. On casse les 3 blocs d'en dessous. Et sur les 3 blocs d'en dessous, on va poser 1, 2, 2 blocs de quartz. Et ici, une trappe en fer sur la partie haute du bloc qu'on vient de casser là. Voilà, donc là, on a déjà une petite base. C'est assez sympa. Ici, on va mettre un bouton pour faire régler l'eau chaude, l'eau froide, comme vous voulez. Ici on va mettre l'espèce de douche comme on connaît, hein, voilà, le pommeau de douche, etc. C'est plutôt cool. On va mettre un seau d'eau ici. Alors soit vous le mettez directement ici, soit vous le mettez ici, soit vous en mettez partout. Moi j'aime bien le mettre ici. On voit, c'est comme si l'eau elle coulait vers le petit truc pour ça aspire et tout. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis une trappe en fer, c'est pour faire style, ça aspire. Et voilà. On n'aura plus qu'une dernière chose à faire, les amis, c'est prendre des barrières, des blocs de barrières. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est en mettre un là, et un là comme ça. Voilà, vous allez en mettre 4 comme ça, et 1, 2 comme ça, voilà. Vous n'allez pas en mettre tout le long, vous pouvez en mettre tout le long. Par exemple, là, on va faire le rideau douche, si vous voulez, regardez. On va prendre nos bannières, on va en poser une là, 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 une là. Une là, une là, comme ça elle s'entrepose, enfin voilà, elle s'entrechoque et tout. Je vous conseille pas de fermer totalement le rideau de douche parce que je trouve ça assez moche. C'est pour ça que je vous conseille de casser là. En plus, avec les blocs de barrière, sachez qu'on pourra pas rentrer dans la douche si on met des blocs de barrière partout. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'en mettre 4 ici et 2 ici. Quoique même pas, hein, vous en mettez juste 4 ici et ça suffit, parce que là aussi ça fait le côté du bloc. Voilà, c'est vraiment un truc que je vous conseille, franchement ça rend plutôt pas mal. Vous pouvez rajouter une dernière chose que j'ai pas rajouté, c'est vrai, j'avais là je viens d'y penser, enfin j'y ai pensé juste avant, mais je sais pas trop comment le mettre. Bon, on pourrait mettre des end rods pour faire style là comme ça, parce que si vous voulez on peut pas mettre de red banner sur les de bannière sur les end rods, et au début je voulais faire ça à la place de ces blocs là. Du coup j'ai renoncé à l'idée des end rods, mais là ça peut être une super bonne idée. Donc voilà, c'est un petit truc que je vous conseille, on va rajouter les end rods, les end rods, pardon, mais pas les end rods ici, voilà. Et voilà les amis, votre douche est terminée, enfin votre baignoire et tout, elle est vraiment classe avec le rideau de douche et tout, ça fait assez réaliste. Vous pouvez changer la couleur bien sûr des bannières, moi j'ai pris du rouge parce que ça m'allait bien. Vous pouvez bien sûr
reproduire à côté la douche que j'avais fait en tuto, les toilettes que je peux vous refaire vite fait. Enfin, je vous le refais très mal et je vous refais pas du tout le tuto que j'ai fait. Hein. Là, c'est pas du tout le tuto que j'ai fait sur ma chaîne, mais voilà, vous pouvez faire. Là, j'improvise. Hein, voilà, je prends les matériaux que j'ai que j'ai à bord. On va dire ça comme ça. Hop, voilà. Vous pouvez faire. Voilà, vous mettez des tapis. Enfin, voilà, laissez-vous emporter par votre imagination, comme j'aime bien dire. Vous prenez des tapis rouges parce que c'est dans le thème. Vous faites un petit tapis pour les toilettes ici. Vous faites un grand tapis ici. Vous pouvez reprendre des bannières, par exemple des serviettes, vous les mettez ici, tac tac, voilà. Enfin voilà, faites plein de trucs les gars, vous pouvez faire plein de trucs et vous aurez une putain de salle de bain. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mes autres tutos comme je vous l'ai dit, ils doivent être dans les recommandations ou aller chercher sur ma chaîne, tapez tuto toilette Oxymos, tuto douche Oxymos, vous trouverez en plus la vidéo des toilettes à 100 000 vues. Enfin voilà, c'est pour vous dire que ça plaît. Slash clear, voilà. Bref, en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, je suis assez fier de moi parce que c'est moi qui l'ai inventé ce tuto, donc c'est assez cool, je suis plutôt fier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si vous avez des améliorations, si vous avez des idées pour les prochains tutos de build. Comme je vous dis, si on n'a pas eu sur la chaîne depuis pas mal de temps, c'est que bah, j'avais plus d'idées, donc n'hésitez pas à me donner des bonnes idées. Ne me donnez pas des idées des youtubeurs américains et tout, j'ai envie de faire mes propres tutos. Pensez à commenter, voilà, à liker, comme j'ai dit au début de la vidéo, une vue est égale à un like, c'est super important. Pensez à partager la vidéo, c'est le plus important, et bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis, c'était Oxymos pour service. Allez, tout ça.